Et bien salut tous les amis, c'est Bitnel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour du swag sur Minecraft, tout simplement sur du speed UHC. Donc j'ai vu ça, j'ai vu ce concept tout simplement grâce à M5. Et aujourd'hui en fait tout simplement, on va s'entraîner pour Arena Swap. Voilà, donc on va s'entraîner pour Arena Swap, tout simplement parce que on a donc Arena Swap bientôt. Enfin, en gros je le tourne ce soir. Et en gros, j'ai besoin de m'entraîner. Vous pouvez également entendre que j'ai une voix en mode défoncé. Mais bon, c'est pas trop grave. On va essayer de faire des trucs propres. Ok, parfait. Donc nous sommes bel et bien dans une partie. Ok, donc ça c'est un spawn. C'est mon premier EHC, hein, mon premier speed UHC, j'ai jamais testé. Mais apparemment c'est plutôt bien. J'avais regardé donc du coup une vidéo d'M5 et puis ça a l'air assez intéressant. Donc bon. Évidemment, vous entendez ma voix complètement défoncée, mais bon. C'est pas grave. On va voir ce que ça va donner. En fait, je connais pas bien le concept. En fait, j'ai juste regardé qu'il y avait 15 minutes pour rusher et qu'en gros, on avait 15 minutes, enfin 5 minutes après pour tout simplement exploser les adversaires en face. Mais c'est tout. Donc après, j'avoue que je suis un peu noob dans le... Alors, c'est y part. Oh, un désert. C'est une putain de blague. Oh, bordel, un désert, quoi. Trop la mort. Bon, par contre, c'est plutôt bien. On a déjà deux cannes à sucre. On a nos 4 cannes à sucre, et du coup on va repartir directement. D'accord, ok. Là, il y a de la bouffe. Là, il y a une crevasse. Oh putain. Oh l'angoisse. On a un spawn, mais de merde. C'est un truc de ouf. Genre ils sont direct cuits et tout. Ok. Ok. On va passer par un endroit safe. Je vous jure, je vais mourir dans cette crevasse. Hop. Putain, mais elle est tellement grosse. Comme ma bite. Allez! Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé de très très bonnes fêtes. Que vous avez passé un putain de nouvel an. Bon, en tout cas, moi, vous pouvez l'entendre que j'ai passé un énorme nouvel an. Vous pouvez l'entendre juste avec ma voix. Qui est complètement anéantie. Pour ceux qui le savent, j'étais donc chez M5. Et bon, on s'est un peu mis des trucs de ouf. Donc, très clairement, je suis un peu mort. Ok, ils sont trois là-bas. On se casse. Oh putain. Putain, merde. Je suis pas là. Je n'existe pas. Oh, mais non. C'est qui est tombé? Bordel. Ok. Pour l'instant... On se fait une table de craft vite.
C'est bon. On bouffe. Allez hop, c'est parti. Hop, 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 hop. Reviens là. Pute. J'ai plus assez, putain. Forcément. Sinon c'est pas drôle. J'ai cru que c'était quelqu'un, mais non. Allez, vite, 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 vite. Ok, donc lui est mort. Oh putain. C'est tellement la déchéance. Hop. On avait vu du monde par là-bas. On va essayer de les prendre par derrière. On va les backdoor. Y'a plus personne ou quoi? Ok, y'a plus personne. On remarque tant mieux, j'ai envie de dire. Au moins comme ça, on n'a pas à se prendre la tête. De toute façon, là, notre objectif, c'est tout simplement d'aller le plus vite possible. Pas forcément ce que je fais, d'ailleurs. Mais bon, vous avez l'habitude avec mon remarque. Hop. Alors, on va quand même prendre ça, au cas où. Bon, GG. Deux petits morts, là. Ah mais oui, c'est vrai, j'ai mes gamins à 10 sur ce jeu. Vu qu'en fait, si vous voulez maintenant, au lieu de jouer sur le launcher, enfin là, je joue sur mon launcher officiel, sauf qu'en fait, maintenant, je joue sur multi-MC la plupart du temps. Et en fait, j'avais complètement oublié que mes gamins étaient à 10 sur ce jeu. Enfin, sur le launcher officiel. Ça va, y a pas trop de lag en plus. Plutôt propre. Ah mais genre en fait on a direct le fer. Ah mais d'accord. Trop bien en fait. D'accord. Ok 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 ok. Plutôt intéressant ça. J'avoue que j'ai pas envie de tomber quand même. Vous imaginez, tu sais, le pire blaireau, il tombe comme une grosse merde comme ça. Mon dieu. Ce serait juste horrible. Hop. On continue de creuser, bien sûr. Faut savoir que j'aime pas du tout la nouvelle configuration au niveau de... comment ça s'appelle? Vous savez, au niveau là de... Bah justement, de tout ce qui est YZ.
J'aime pas du tout, enfin, je trouve ça tellement bizarre comparé à avant, tout simplement. En fait, on avait tellement l'habitude d'avoir nos trois colonnes avec les trois coordonnées que, enfin, ça change tellement, je trouve. Je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Ok! C'est quoi leur délire à tous mourir là? Hop, comme ça au moins on a ça. Et puis on est reparti pour miner comme un gros porc. Allez! Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien. malgré tout, bien que les fêtes soient finies, que la rentrée approche, évidemment. La rentrée approche, quelque chose qui nous chagrine tous, hein, bien sûr. Moi en premier d'ailleurs. Je pleure quelque peu. Mais normalement, cette vidéo sera donc publiée quand je serai donc chez Eclipsia. Donc je vais en Angleterre le 6 et le 7 janvier. Donc ça sortira probablement le 7 janvier. Lors du salon de Chelsea où vous me verrez. Tout simplement, il se passera des trucs de fou dans ce salon. Je vais être transformé en quelque chose. Je ne peux pas dire quoi. Mais en tout cas, je serai transformé. Et donc cette vidéo sortira probablement en même temps à peu près. Où donc vous pourrez bien vous foutre de ma gueule. Puisque l'intégralité du salon sera re-upload sur sa chaîne. Donc ça va être un bordel sans nom, je l'annonce. Je vais pas bien me sentir, hein. Clairement pas. Ok, donc on est à 5 minutes, il nous reste 5 minutes. Ça va être compliqué. Alors, si je pouvais juste, genre, trouver du diamant et tout. Genre, tu sais, ce serait bien. Non, tu veux pas. Genre, vous savez, genre, ça m'aiderait tellement. Vous imaginez, on se ramène direct, boum. Et puis en diam, c'est tout ma gueule. Comment ça se passe? Izé, tu vas mourir. Bâtard. Ok, donc il y en a un à 1 PV quand même, hein. Mec, un peu trop chaud. Parfait, du fer. Du fer. Hop, parfait, là on a du diamant. Nice. Du coup, on va choper le diamant tranquillou. Hop. Masse diamant en plus. Hop, nice, comme ça on peut se faire une épée. C'est parfait. Une table d'enchant. Enfin, une table de craft. Hop. Quoique j'hésite. Est-ce qu'on fait une épée en diams ? Ouais, si, on va faire une épée en diams, puisqu'on a tout simplement pas le temps de faire une épée au niveau de l'enchant. Donc, on va faire un petit truc comme ça. Donc le deathmatch il démarre dans 2 minutes. Ouh, ça commence à être tendu là. Il nous faut absolument la fin. Il nous faut au moins la fin de l'armure. Tac. Hop. Hop là. Tac. Parfait. Donc au moins on a 2-3. On a pas mal de stuff mine de rien. Je pense qu'on a pas mal de stuff. Ça va être rigolo. Au niveau du fight. Au niveau des fights qu'il va y avoir je pense. Ça va être assez intéressant. En fait, il me faudrait juste un fer de plus, quoi. Putain, y'a quelqu'un.
Viens en PD. Allez, viens. Ah, c'est chaud là. Alors, on vient pas? PD. Albatard. 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 Oh! D'accord, ok, il avait juste plus rien en fait. Il avait juste plus rien. Parfait. Hop. Comme ça au moins. On a ça. On a réussi à le tuer. Tranquillou. Le petit coup d'épée quoi. Oh le pauvre. On va un peu explorer mine de rien. Le reste. Voir s'il y a du monde. Non. Hop. Donc y'a rien. NPGG. Mais non, il y a une autre vision, d'accord. Okay. Donc, plus que une petite minute avant de partir. Je meurs accessoirement. Avant de partir à l'aventure, bien sûr. À la bataille. Pour la bataille de notre vie. Il nous reste 20 secondes. J'annonce. On va douiller. Hop. Oh regarde, parce que j'entends un zombie, ça me fait peur. Pas envie de genre, le zombie il arrive, il me bousille toute ma barre de vie, je serais mad quoi. Ok. Ok, 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 ok. Ok, toi par contre, mon coco. Oh mais lol. Non. Je pleure. Ah, la ma danse. La ma danse. Bon, bah du coup, les amis, on se retrouve du coup pour un prochain UHC Speed dans l'émission du Swag sur Minecraft qui va donc paraître maintenant chaque semaine. On va essayer d'alterner les jeux. On va faire plusieurs nouveaux serveurs que j'ai découverts il n'y a pas très très longtemps. Ça va être vraiment du neuf. Et puis... beaucoup de... pas mal d'épicubes également. On va essayer de ramener des potes et tout pour du swag sur Minecraft. Également les épisodes de tabouret qui vont reprendre de mon côté. Du coup, moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et j'espère que les petits speeds du haché comme ça vous font plaisir. À la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces verts et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.